Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la famille de Fafa, salut à tous et à toutes. Vous-même, vous avez vu, c'est sans transition. On a déjà balancé le clip, vous savez déjà qui nous reçoit aujourd'hui dans un studio d'enregistrement basé du côté de la commune de Cocody. On ne va pas trop préciser l'endroit, voilà, c'est important. Je suis avec mon ami et frère, voilà, quelqu'un avec qui on a vécu beaucoup de choses et quelqu'un qui aujourd'hui fait parler de lui partout. C'est un des porte-flambeaux de la musique ivoirienne et africaine. C'est une fierté de toute la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique. Voilà, j'ai nommé ici Monsieur Mix Premier. Salut mon frère. Aïe, je suis enjaillé. Si, si. Ouais, c'est pas petit mouvement. Mesdames et messieurs, j'ai tout couru après ce monsieur. Mon propre ami en cours pour faire une mission à lui, je le poursuis. Je comprends pas. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il a fini son concert, qui a réussi. Voilà, il profite pour se reposer. Donc, voilà, j'en ai profité pour passer avec l'équipe Fafa pour discuter un peu avec lui. Voilà, merci à toutes ces personnes qui nous suivent sur la page officielle de l'émission Fafa officielle sur Facebook. Merci de suivre aussi voir TV Musique, Canal 209, Canal South Africa. Voilà, on est ensemble. C'est le Daire et votre homme serviteur. Alors, Mix. Yeah. Ah, c'est une salle de Fafa, hein. Donc vous me tourner bien, bien. Voilà. On dit quoi? Ça va, super bien. Ça va bien, les mouvements, tout ça. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Ça va, on se prépare. Okay, il n'y a pas longtemps que tu as fait ton concert qui a été un succès. Ouais. Voilà, après ça, dans quel état d'esprit on se retrouve? Assez calme, assez posé. Voilà, je pense que là, on est en train de pencher un peu vers les objectifs. Voilà. D'accord, c'est super. Alors, en parlant d'objectifs, bon, là maintenant, ça te fait ton deux ou troisième palais de la culture. Troisième, ouais. Voilà, là maintenant, tu es, voilà, je dirais pas confirmé, parce qu'il y a longtemps que tu es confirmé. Ouais. Mais là maintenant, tu as montré que oui, il y a beaucoup de choses dont tu es capable. Aujourd'hui, quand tu parles de tes objectifs, qu'est-ce que tu vises maintenant? Je vise beaucoup l'international. D'accord. Exporter la musique ivoirienne ou en gros africaine à l'international, véritablement à l'international. D'accord, voilà. D'accord. Alors, bon, moi je vais revenir depuis la genèse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Mix, qui aiment ce que Mix fait, mais qui ne savent pas réellement le parcours de Mix. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ton parcours? Ben, mon parcours, il est très simple. J'ai commencé déjà à l'église. Ensuite, je me suis retrouvé dans les maquis, en train d'exercer le métier de disc jockey. Voilà. Et par là, après, j'ai sorti des singles qui n'ont pas eu de succès. Après, j'ai décidé de me mettre avec mon collègue et frère Elo DJ. Voilà, vu qu'on bossait ensemble, on s'est dit, mais écoute, pourquoi ne pas chercher à sortir quelque chose ensemble? Et puis, il y avait la clientèle aussi qui nous disait, mais vous deux, vous chantez bien, et puis chacun a sa carrière, mais ça ne décolle pas. Essayez de faire une fusion, ça va donner forcément quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'on allait voir Baby, et puis on a sorti un single du nom de Bobaraba. Et voilà, c'est parti de là. Après, on a commencé à tourner. Après, Elo, il est resté en France. Moi, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je faisais mes spots et tout ça. Voilà, un peu. Et puis voilà, jusqu'aujourd'hui, j'ai fait mon petit bout de chemin jusque-là. Super. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, pour la petite histoire, DJ Mix, c'est quelqu'un qui a beaucoup, comme lui-même il a dit, il a sorti beaucoup de singles qui n'ont pas connu de succès. C'est-à-dire, tapez-moi des poteaux dans la musique, Mix connaît. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il est arrivé à la musique comme ça et puis succès immédiat. Non. C'est quelqu'un qui a travaillé dur, qui n'a pas lâché prise en fait. Voilà. Qui s'est battu pour que le succès vienne à lui. Voilà. Alors. Quand vous avez le succès avec, comment il s'appelle, Elo, vous avez fait Bobaraba et tout ça, machin, et Dieu merci, ça a marché, vous êtes parti partout dans le monde. Et Elo décide de rester en France. Toi aussi, en tant qu'un bon enfant des pauvres qui se cherche, qui a connu certes le succès, mais le bengue aussi, tu connais. Nous, voilà, nous là, bah, depuis longtemps, on était dans le milieu de la nuit, on rêvait aussi d'aller en bengue, tu vois. Maintenant, tu arrives en Europe et tout, ton ami décide de rester. Toi, quelle est la motivation? Qu'est-ce qui fait que tu dis non, je préfère rentrer à Abidjan et gérer comme il faut? D'où te sens ce courage, cette motivation? Déjà, à la base, il ne faudrait pas qu'on dise peut-être que Elo, il est parti et puis il est resté en France. Non, non. On est parti pour des spectacles et il devait revenir. Voilà. Normalement, il devait revenir. Mais il y a eu des problèmes avec le promoteur. Je ne vais pas véritablement rentrer dans les détails, mais je ne pense pas qu'Elo avait pour intention d'aller rester en France. Il y a eu des problèmes avec le promoteur. Je pense que c'est bien pour cela qu'il est resté là-bas. Et comme je l'ai dit là,
dans la tête, on partait pour des séries de spectacles et revenir en Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, lui il est resté, moi je suis entré. Parce que je me suis dit, écoute, c'est de la Côte d'Ivoire que tu as reçu à aller en Europe. Donc je pense que si tu restes là-bas, est-ce que tu pourras avoir encore ces inspirations que tu as? Et puis moi je suis parti, j'ai vu véritablement les réalités. Donc je suis rentré tranquillement, continuer ma musique. D'accord. Voilà. Vous étiez un groupe. S'il y a un problème, vous êtes un groupe, vous êtes un binôme. S'il y a un problème, ce problème-là concerne le groupe. Donc voilà, tu n'étais pas étranger à ce problème-là. Donc quelque part, toi, tu as dit, bon, malgré le problème, moi je préfère rentrer. Pourquoi lui, malgré ce problème-là, il a préféré rester en fait? Mais je pense que tôt ou tard, Dieu fera que tu auras l'occasion d'avoir Elo. Et la personne qui est mieux placée, voilà, la personne qui est mieux placée pour t'expliquer les réalités ou ce qu'il a véritablement vécu. Je sais que ça n'a pas été facile pour lui, ça c'est clair. Voilà. Mais il est mieux placé pour pouvoir te donner tous les détails. Voilà. Je sais juste qu'il y a eu un problème entre le promoteur et lui, voilà, qui disait non, que Elo veut rester, Elo a fui, Elo veut rester. Pourtant, il était encore là en fait. Il n'avait pas fui. Donc comme j'ai dit là, je suis pas mieux placé pour pouvoir te développer, mais Inch'Allah, tu auras l'occasion de voir Elo et puis il t'expliquera en tout cas. Oui, mon type DJ Elo, tu as mon coucou, hein, depuis l'émission Fafa, on est ensemble, on va se prendre bientôt. Tu vas bien expliquer les docs, parce que jusqu'à présent, c'est resté dans le flou. Fafa, nous, on est là pour dissiper le brouillard. Voilà. Et puis Elo, il marchera, c'est bon. Hein. S'il a l'occasion de te le dire, il te dira, il va t'expliquer clairement ce qui s'est passé. Et mesdames, messieurs, voilà, c'est la télé, on ne peut pas trop rendre le morceau long. Voilà, mix, mon type, moi je veux savoir. Parce que je suis toujours intrigué, beaucoup de personnes sont intriguées. Il y a certains qui disent non, Mix allait boire les trucs, laver sa gorge, tout ça pour avoir une voix comme ça. Moi, je dis c'est le travail. Donc, nous, on veut savoir comment Mix a fait. Parce que quand on écoute ça, la voix est bien. Le morceau même a marché. Grâce à toi, Papa Ministre a connu le succès qu'il a connu, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus la même voix. C'est-à-dire, quand Miss commence comme ça, là, c'est plus ça, en fait. Comment tu as fait? On veut savoir. Non, il faut dire, c'est juste la maturité dans la voix et le travail. Tu vois, ça fait combien d'années, quand même? Attends, un homme, il naît, il grandit au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va dire, il y a plus de maturité dans la voix. Et puis, à force de travailler aussi, voilà, on a essayé de perfectionner les choses. Mais à la base, c'est un don de Dieu. Voilà, parce que je ne fais pas véritablement d'efforts pour la voix. Voilà. Je ne bois pas quelque chose, on dit qu'il faut boire du miel, ou il faut faire des exercices en tant que tel. Non. Et il y a un mythe que les gens racontaient qui disait que si tu es fumeur, si tu chantes que tu es fumeur, voilà, la cigarette va gâter ta voix. Mon père, son âme, DJ Arafat, il fumait, mais il arrivait à chanter. Voilà, comme il se doit, voilà. DJ Mix, même Debodo Likoufa, c'est un fumeur, mais il a une voix excellente. Je ne sais pas, comment vous faites même? C'est comment votre affaire là, hein? Parce que moi, je pense que c'est le travail. À force de travailler, voilà, tu te perfectionnes dans ce que tu fais. Voilà. Un gars qui fait de la natation, à force de nager, je pense qu'il devient plus dangereux, quel que soit ce qu'il fait derrière. Mais il ne faut pas abuser, en fait. En toute chose, moi, je pense que le problème, c'est de ne pas abuser. Voilà. Parce qu'on dit dans toute chose aussi que l'abus est dangereux. Voilà. D'accord. Alors, DJ Mix, quand tu es rentré au pays, toi-même, tu as sorti des singles qui ont tous marché. Voilà, tous tes singles, les singles que tu as sortis, et tous, ils ont tellement marché. Tout n'a pas marché. Oui, non, mais quand même, par rapport à avant, ils ont passé de là. Maintenant, tu t'es maintenant connu par le monde. C'était beaucoup plus facile de te suivre et tout ça. C'est clair. Voilà, comment tu as organisé tout ça, en fait? Parce que maintenant, tu n'étais plus avec ton gars, tu étais seul. Donc, comment tu as essayé un peu de coordonner tout ça? Déjà, il faut dire que ça a été très, très difficile. Parce que on m'a connu grâce à cette chanson-là, Bobaraba, avec Elo. Donc, du coup, me retrouver seul, déjà pour avoir les spectacles, c'était déjà difficile parce que les gens, ils voulaient Elo et Mix. Voilà. Ils ne voulaient pas Mix seul ou bien Elo seul. Donc, quand moi, je suis revenu, déjà, même pour avoir les spectacles, c'était compliqué. C'était très, très, très compliqué. Donc, j'ai dû me mettre vraiment au travail et puis essayer de me restructurer, en fait. Voilà. Ça a pris du temps, c'est vrai, mais bon, voilà. C'est un travail avec beaucoup d'acharnement sur ma personne. Voilà. Je me suis lancé ce défi-là à moi-même. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. Tu as été avec Elo, c'est pas que vous n'êtes plus ensemble, mais Elo n'est plus là aujourd'hui. Il faut montrer aux gens que tu vaux quelque chose. Donc voilà. Chaque soir, je bossais. Je faisais que ça. Voilà. Par la grâce de Dieu, ça a donné ce que ça donne jusqu'au jour d'aujourd'hui.
D'accord. Ben aujourd'hui, là, avec la voix que tu as, avec les capacités que tu as, avec les yeux, toi, tu peux faire toutes sortes de chansons. Voilà, mais tu as préféré rester dans le coupé décalé et tout ça. Voilà, d'où te vient cette motivation spécialement pour le coupé décalé? Alors que tu pourrais, bon, pour parler de international, voilà, tu pourrais faire des musiques internationales et tout, 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 mais tu as décidé de rester essentiellement dans le coupé décalé. Non, déjà, il faut dire que c'est vrai que j'avais tous ces talents-là depuis le début, mais c'est cette musique-là qui m'a fait connaître aux yeux du monde entier. Voilà. Je ne peux pas du jour au lendemain rejeter cette musique-là. Non, 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 c'est impossible pour moi. C'est la base. C'est la base. En dehors de ça, aujourd'hui, j'essaye de montrer ce que je sais faire encore. Comme dans l'album, j'ai fait plusieurs titres qui ne se ressemblent pas, de différents styles et tout ça. Mais je reste fidèle à ma base qui est le coupé décalé. Parce que moi, je pense que c'est ça. Un homme doit savoir d'où il vient. Ça ne veut pas dire que ma vie est uniquement basée, ou bien ma carrière est 100% sur le coupé décalé. Non, voilà. Si tu as des talents hors pair, c'est-à-dire, je sais pas comment je vais t'expliquer, si tu vaux, tu arrives à faire certaines choses qu'on ne sait pas, tu peux profiter au-delà de ça aussi, puis montrer ce que tu sais faire aux gens. La raison pour laquelle j'ai décidé de sortir un album où j'ai varié véritablement en fait la musique. Je peux faire du zouk, de la R&B et tout ça, mais le coupé décalé, qu'on le veuille ou pas, reste ma base. D'accord. Mais à un moment, beaucoup de gens t'ont reproché d'avoir mis ta carrière, parce que moi je me souviens que tu avais sorti de là-haut, qui avait marché, tu avais sorti quelques sons, et après, voilà, il y a eu le phénomène des brocantiers qui faisait plaisir aux artistes. Voilà, toi qui étais un DJ de Makouri, un artiste de Makouri, voilà, où il y avait énormément de brocantiers qui étaient prêts à te faire plaisir à tout moment. Voilà, les gens disent que voilà, Mix à un moment, Mix a délaissé sa carrière d'artiste pour se concentrer sur les chansons où on chante le nom des gens, du début jusqu'à la fin. Voilà, et ça, beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs disent que ça t'a ralenti un peu dans ton ascension musicale, vu l'immense talent que tu as, mais ça t'a ralenti parce que tu te concentrais plus sur ta carrière, tu te concentrais sur faire des sons pour prendre l'argent des gens, prendre l'argent des boucantiers, comme on dit. Parce qu'on ne va pas dire l'autre nom, parce que l'autre nom, c'est un peu péjoratif, tu vois un peu, non? Mais en fait, il y a un truc que tout le monde doit savoir. Quand on dit il ne prend pas sa carrière au sérieux, il s'est focalisé sur les brocantiers et tout ça, les spots, tout ça. Il faudrait que ces personnes-là se disent qu'à cette époque, je travaillais dans un maquis. Ma carrière est partie à partir d'un maquis. Je travaillais dans un maquis, à Makouri, tout le monde le sait. Ouais, Et on avait notre clientèle. On n'était pas encore engagé véritablement dans une carrière en tant que telle. Parce que en griffe, c'est vrai qu'on avait des personnes qui nous aidaient. Voilà. Mais on n'avait pas encore de producteur fixe. Donc on n'était pas concentré, on va dire, à 100% sur une carrière. Parce qu'il faut avoir une vision. Nous, on travaillait dans un maquis et chaque semaine, on avait un petit salaire. C'est ce petit salaire-là qui faisait qu'on arrivait à joindre les deux bouts, payer notre maison, nos maisons et puis différentes dépenses et tout ça. Donc cette clientèle-là voulait que Miss chante pour eux, que Miss chante leur nom et tout ça. Et en retour, ce qu'il faisait, il donnait de l'argent à Nice. Et moi, dans ma tête, je me suis dit quoi? Tu fais le boulot pour de l'argent, tu cherches ton blé. Donc, si tu sais que tu as chanté 10 noms, que ces 10 noms peuvent te ramener 10 millions, qu'est-ce que tu fais? Mais tu chantes les 10 noms. C'est ce que je faisais. Ah, je tournais, je gagnais mon blé et puis j'avançais. Et il a fallu que personnellement, je m'asseye et je commence à réfléchir et je commence à nourrir en tête ta voix. Une carrière. Mais est-ce que c'est pas quand tu t'es rendu compte que c'est vrai, tu gagnais de l'argent dans cette affaire-là, mais toi-même en tant qu'artiste, tu sentais que ça te portait préjudice en fait? Non. Parce que même quand tu sortais des sons qui étaient très bons, ces sons n'allaient pas quelque part. Ouais. Parce que tu sortais aussi des dangereux morceaux pour ta côté, voilà. Où tout le monde se concentrait dessus. Voilà. Est-ce que toi-même tu t'es pas rendu compte que non. Si je continue comme ça, je serais un artiste bas de gamme? Est-ce que c'est pas ça? La vie, c'est un choix. Tu peux être un artiste, on va dire un griffe comme tu l'as dit, bas de gamme. Ça, c'est selon peut-être la vision de certaines personnes. D'accord. Je prends un exemple. Toi, Ramzi, tu sors tes sons concept, tu te fais ton blé. Tu es en train d'évoluer. Tu as un chiffre d'affaires, peut-être, je pense, de 10 millions le mois. Et moi, je suis bas de gamme, comme tu le dis. Je fais mon chiffre d'affaires de 15 millions dans le mois. 20 millions, 25 millions. Moi, j'ai quoi à t'envier? Rien. Voilà, c'est que tu es connu par tout le public. La seule différence, c'est que toi, tu es connu véritablement à l'extérieur et tout ça. Mais le blé, moi, je gagne mon blé. Maintenant, arrivé à un certain moment de la vie, tu t'assois.
et tu réfléchis véritablement à ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux continuer comme ça? Ou à quoi véritablement tu aspires? C'est en ce sens-là que je me suis assis, puis j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, il faudrait que j'arrive à me concentrer pour pouvoir avoir une très bonne carrière, parce que je pense que j'ai tout le potentiel pour ça. Vraiment. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce que je pouvais envier. Parce que je gagnais l'argent. Attends, chaque soir, je me retrouvais minimum, je prends un exemple, 3-4 millions dans ma poche. Je vais envier qui? Voilà. Mais c'est vrai, il y a l'argent. Mais après, est-ce que ça comble tout ton vrai désir, en fait? Tu as tout un talent, toi-même, tu vois, et puis on te dit, ouais, c'est vrai, tu chantes bien et tout ça. Mais pourquoi ne pas se concentrer sur ta carrière? Mais la décision devient très difficile. Parce que là, tu laisses le blé. Voilà, tu laisses le blé pour reprendre, on va dire, carrément à zéro. Voilà. Et donc, c'est pas si tu veux écouter forcément les gens. Mais attends, tu vas te dire quoi? Mais ceux qui parlent là, ils sont là pour me nourrir. Non. Et j'ai laissé tout ce blé-là pour dire que je vais aller faire son concert, tout, et j'ai oublié de venir danser devant les gens. Attends, ça là, tu ne danses même pas, tu as arrêté, et puis le blé rentre. Voilà. Donc, une décision s'est imposée à moi. Je me suis dit, écoute, je vais me concentrer dessus. Ça n'a pas été facile. Mais je l'ai fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, et puis ça va. Tranquille. Ouais. Non, mais tu esprits, même des morceaux de concert, tu places un peu les trucs. Non, mais depuis un moment, même si tu écoutes mes chansons, c'est rare même d'entendre un nom maintenant, même c'est difficile. Les gens même se plaignent encore de ça. Ouais. Voilà, on dit, mais mix, même, ils chantent même pas un peu, non, dans, ils disent, mais vous voulez quoi? Je chante, je chante. On dit, vous chantez trop. Je chante plus encore maintenant, on dit, mais chante un peu. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça, quoi. D'accord, voilà qui est bien dit. Maintenant, moi, j'ai une petite curiosité. Ouais. Le concert que tu as organisé le 22 décembre, qui a été vraiment un succès et tout. Mm-hmm. Dans quel état d'esprit tu as organisé ce concert? Et comme toi-même, tu disais, tu t'entoures d'une certaine équipe. Quels sont les ingrédients que tu as rajoutés dans ton organisation pour que ça soit vraiment un succès? Je me suis assis avec mon équipe. Mm-hmm. On a réfléchi parce que mon dernier concert date de 2012. Mm-hmm. 31 décembre. Ouais, 2012. Et on s'est dit, mais ça fait quand même longtemps. Ça fait quand même longtemps. Je pense que le public attend ça. Tu vois. Mais c'est quoi la période? On s'est dit, non, mais il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait une musique qui marche à fond pour pouvoir faire un concert. On a déjà fait deux concerts au Palais de la Culture. On a plusieurs albums, plusieurs singles déjà sur le marché. Voilà. Mix, quand même, on peut dire que c'est une marque en Côte d'Ivoire déjà. Tu vois. Bien sûr. Le seul truc qu'il va falloir faire, c'est de taper beaucoup sur la communication. Voilà. Et avec mon équipe, on s'est assis, on a eu plusieurs réunions, séances de travail, voilà. Et on a placé tout le monde là où il fallait. Et puis on a lancé le truc. On avait confiance en ce qu'on faisait, voilà. Et puis voilà, ça a donné ce que ça devait donner. Il faut croire en ce que tu fais, oui, on a cru en ça. Et on s'est donné à fond, corps et âme. Tout le monde, toute l'équipe s'est donné corps et âme. Et ça a donné ça. Bien sûr. On va profiter aussi pour dire merci à ces artistes-là aussi qui ont soutenu aussi Mix dans son projet. Ouais. Vous savez, c'est important. Il y a tant que les esprits changent, il faut qu'on se soutienne. Soutenons-nous vivants, comme on dit. Voilà, c'est très, très, très important. Alors, Mix, vu tout le succès que tu as actuellement et tout ça, actuellement, il y a beaucoup de majors qui s'installent en Côte d'Ivoire. Voilà, beaucoup de grandes majors représentants en Afrique qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire et tout ça. Est-ce que tu as été approché par ces majors-là pour pouvoir te signer? Parce que ces majors s'intéressent aux artistes qui sont. On va dire quand même en vogue, quand même à un certain niveau. Est-ce que tu as été approché? Non, pas personnellement. J'ai pas encore été approché par quelqu'un. Ah, et puis, Mais est-ce que si on t'approche, est-ce que ça peut t'intéresser? Dans le sens où cette personne vient pour m'apporter quelque chose. D'accord. Voilà. Parce que déjà, je me défends, ça va, par la grâce de Dieu. Tu vois. Et si je dois avoir une maison qui va me suivre, je suppose que c'est pour m'enlever de là, d'un point A à un point B. Donc c'est quelque chose qui est discutable. On discute si je vois que cette maison peut m'apporter ce que je recherche dans ma vie. Je suis partant. Open. D'accord. Parce que certaines personnes disent que ces majors-là, ça c'est un autre débat. Hein. Ça, c'est pas nous à notre niveau. Mais certaines personnes disent que ces majors-là viennent, lui, quand tu mousses, mais arrivé à un certain moment, ces majors-là veulent t'imposer une ligne de conduite par rapport à ta musique. Donc du coup, si tu es un artiste qui n'est pas rigoureux avec toi-même, qui n'est pas teigneux en la matière, ça change carrément la couleur de ta musique. Et après, tes fans ne se retrouvent plus en toi et tu commences à plonger.
Bon, comme moi, ils ne m'ont pas encore approché, mm-hmm. on n'a pas encore eu à discuter, mm-hmm. je ne peux pas donner mon point de vue dessus. Mm-hmm. Voilà. Mais moi, je suppose qu'une major qui arrive pour récupérer un artiste, c'est pour le prendre d'un point A à un point B, bien défini. Mm-hmm. Voilà. Si ça ne le fait pas, c'est que la maison n'est pas efficace. En gros, c'est comme ça, moi, je vois le truc. Mm-hmm. Voilà. Mais comme je n'ai pas encore été victime de ça, donc, moi, j'attends le jour où une maison m'appelle, on va discuter avec mon équipe, on discute, et puis voilà, si je vois qu'ils peuvent m'apporter quelque chose, s'il y a possibilité de signer, on signe vite fait et puis on avance. Mmh, mmh, voilà. D'accord, d'accord. Alors Mix, tu as donné une certaine position, d'accord. Maintenant, au niveau de l'Europe par exemple, où tu vas souvent pour des showcases et tout mmh. ça, quand tu compares à la cote que tu as ici en Côte d'Ivoire et en Afrique et tout, mmh. et en Europe, bon, certains disent que c'est pas pareil. Mmh. Ici, tu as beaucoup plus de buzz, beaucoup plus... voilà, tu es beaucoup plus aimé, il y a beaucoup plus d'effervescence autour de toi mm-hmm. par rapport à l'Europe où tu vas. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça dans tes spectacles, dans tout ce que tu fais? Jamais, parce que toutes les salles que j'ai fait en Europe, tout était plein. Donc, ça, c'est ma première fois même d'entendre ça. Mm-hmm. Mon seul souci, c'est qu'aujourd'hui, je veux dépasser en fait ce truc-là. Mm-hmm. Je ne veux plus forcément aller en Europe pour faire uniquement que des showcases dans les boîtes de nuit. D'accord. Aujourd'hui, j'aspire à faire des concerts. Tu vois ce que j'ai dit, grande salle où il y a toutes sortes de personnes qui sont là, il y a des blancs, il y a des africains, voilà. Et pour ça, il faut un travail. C'est sur ce boulot-là qu'on est maintenant. Mm-hmm. Sinon, dire que ici c'est plus par rapport à là-bas, les vidéos sont sur Internet, je pense que tout s'explique. Tu tapes Mix Premier à Paris, tu verras. Toutes les salles sont pleines mm-hmm. dans tous les coins où j'ai joué. Comme on le dit là, il n'y a jamais eu un spectacle bizarre en France. Mm-hmm. Jamais. Parce qu'avant de partir... Il y a une équipe là-bas qui prépare le terrain mm-hmm. et tout. Mais c'est la même communauté, en fait, je veux dire. Mm-hmm. C'est ce que je cherche à changer un peu aujourd'hui. Avoir encore un peu plus de monde, tu vois. Où tu fais un concert, quand on dit Mix arrive à Paris, c'est pour un gros concert où il y a toutes sortes de communautés. Mm-hmm. Il y a des Blancs. Les Asiatiques. Voilà, tu vois. Pourquoi ne pas aller aux États-Unis pour faire un concert? Les autres artistes des autres pays, ils arrivent à le faire. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Mm-hmm. C'est un boulot qu'il faut et puis il va falloir qu'on soit véritablement soudé. Mm-hmm. Voilà. Je pense qu'avec ça, ça pourrait aller. Sinon, si tu annonces Mix dans une semaine, dans un coin à Paris, dans une boîte de nuit, je te jure que ça sera plein. Voilà. D'accord, d'accord Mix. Maintenant, concernant la Côte d'Ivoire, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, c'est le carrefour de la musique, on va dire, africaine, francophone. Mm-hmm. Maintenant, mais ça s'étend même sur le côté anglophone, parce que même les anglophones viennent se faire reconnaître ici en Côte d'Ivoire, parce que c'est d'ici que les choses partent réellement. La plaque tournante, voilà. Ouais. Voilà, c'est la plaque tournante. Et voilà, on constate aussi que au niveau des artistes ivoiriens, ça dit que les artistes ivoiriens peinent à vraiment exploser plus facilement en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Toi-même, ton cas, ça a été difficile pour toi d'exploser en tant que tel, tu vois. C'est le cas aussi de beaucoup de gens. Bon, aujourd'hui, tu n'as plus ce problème-là, mais il y a beaucoup de gens avec qui même tu as commencé la musique. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué en fait pour eux. Parce que, alors qu'on arrive à faire exploser les artistes qui viennent d'ailleurs. Maintenant, au niveau des artistes ivoiriens, c'est un peu compliqué. Comment toi, tu vois cet aspect-là? Moi, je pense que c'est un truc qui est simple. Quand tu regardes, je prends un exemple, tu prends un gars du Niger par exemple, regarde juste ses clips. Tu regardes juste les clips des artistes d'ici. Il y a un aspect qui est visible, direct, c'est les moyens. Sortir une chanson, devenir un artiste international, demande beaucoup de moyens. Et les artistes n'ont pas de moyens. N'ont personne pour les aider. La plupart de tous les artistes que tu vas voir qui explosent et tout, ils sont des producteurs. Ici, il n'y a pas. Il ne faut pas qu'on se voile la face. L'artiste se défend de lui-même. Toi, tu es bien placé pour savoir. On se débrouille. Le gars, il va en studio. Un studio coûte combien? Quand tu vas finir ça, tu vas appeler des gens pour t'aider, pour faire le cœur et tout ça. Tu finis tout ça encore maintenant. C'est là que le vrai boulot commence. Parce que cette musique-là, elle peut être chic. Mais si tu n'arrives pas à la faire entendre par tout le monde, c'est zéro. Ouais. Donc, ça fait qu'il y a des talents qui sont là. Ils n'ont pas de moyens. Ils vont se débrouiller, faire un clip de 300 000, 400 000. Il fait un big up à Roland Le Benguis qui nous a aidés, nous tous ici. Il a fait des clips pour nous, mais on n'a pas pris de l'argent. Mais la carrière d'un artiste, c'est pas ça. Non. Le gars, il a le talent, il a tout. Mais il va falloir qu'on essaye de l'accompagner. Voilà.
Donc je ne sais pas si c'est l'État ou bien, mais vraiment, qu'ils essayent de voir. Et puis, je sais qu'il y a des personnes qui sont riches en Côte d'Ivoire ici, qui essayent de miser un peu sur les artistes. Mais leurs arguments, c'est que aujourd'hui, depuis une décennie par exemple, les artistes ne vendent plus. C'est-à-dire on ne vend plus les CD, on ne vend plus les trucs. Donc ça fait que beaucoup de producteurs sont découragés. C'est l'argument que les gens ils emploient dès qu'on parle de ça. Quand on dit on ne vend plus de CD, c'est quoi? Quand on dit on ne vend plus de CD, c'est quoi? Aujourd'hui, là, les choses changent. Mm-hmm. Quand tu regardes même en Europe, ou bien dans les autres pays. C'est vrai qu'il y a des millions d'habitants. Donc quand tu sors un son à succès comme ça, on ne vend plus le CD. Le seul truc qui fatigue là, ce n'est pas la faute des artistes, c'est la piraterie. Il faut appeler les choses par le nom. Ce n'est pas les artistes qui font guerre à la piraterie. Moi je pense que déjà c'est une question de mentalité. C'est à partir de là que ça commence, c'est la mentalité. Voilà. Tu peux miser d'un artiste. Et puis après, vous faites vos pourcentages, le gars il va voyager, une fois qu'il devient ce qu'il doit devenir là. Tu prends ton pourcentage, il prend son pourcentage, un peu, tu peux retrouver trois fois même ce que tu as mis dedans. Moi je pense qu'il faut aider les artistes. Il ne faut pas dire par exemple, ouais, tel artiste, je prends l'exemple Ramzy, il est là, il ne fout rien, il y a tel artiste de tel côté qui est sorti il n'y a même pas longtemps, rien comme il brille dans le monde. Non, il brille parce qu'il y a les moyens, les gens l'aident. Ces clips sont beaux et ça arrive à passer sur plusieurs chaînes. Et ça passe en boucle en plus. Parce que ce que tu veux, ce que les gens refusent de comprendre, c'est que la musique, là, c'est un peu comme la sorcellerie, en fait. Tu peux écouter une fois, tu n'aimes pas. Mais à force de jouer, à force de l'entendre, arrivé un moment, tu finis par chanter cette musique-là toi-même. Et ça fait que tu aimes. Arrivé un moment, les organisateurs de spectacles dans le pays vont t'appeler pour des concerts. Au fur et à mesure, c'est comme ça que ça part. On a trop de talent en Côte d'Ivoire ici. Mm-hmm. Trop. Ben, voilà. Moi, je pense qu'il faut aider les artistes. Le seul problème des artistes d'ici est... On va dire même en Afrique, la plupart, c'est comme ça. Il n'y a pas de moyen pour aider les artistes. Voilà. L'artiste que tu vas voir, il va commencer à chanter tout de suite. En un an, deux ans, tu le vois, paf! Le gars, il a son jet privé, mon frère. Ouais. Mais pourquoi il a ça? Tu penses que c'est quoi? Ils ont mis les moyens. Et quand on le veut pour un spectacle, les enchères augmentent. Tu as besoin de lui, donc tu vas payer. Mais c'est ça. Et ici, là, dis-moi, c'est un exemple bête que je donne, mais quand tu regardes les artistes qui quittent à l'international, qui arrivent, imagine un peu le cachet. Il y a quel artiste en Côte d'Ivoire ici qui peut toucher ce cachet? Étant ici en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, c'est les mêmes salles. Bien sûr. On fait venir des artistes d'ailleurs pour. Je prends un exemple, le Palais de la Culture, mais pour des millions. Mais le Palais de la Culture, Ramzy, s'il y a une bonne promo derrière Ramzy, Ramzy te fait le Palais de la Culture. Mais est-ce que Ramzy va toucher même le tiers de ce que l'autre il touche en venant ici? C'est ça, c'est la vérité. C'est ça. Donc, arrivé un moment, il ne faut pas forcément pointer les artistes pour dire « Oh, ils ne valent rien. Oh, c'est des comédiens, c'est des plaisantins. Voici tel artiste en train de monter. » Il n'y a pas les moyens, mon frère. Il a tout le talent, il chante bien, il est fort, il a tout, mais il n'y a pas les moyens pour pouvoir véritablement exporter ce qu'il fait. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. On se débrouille. On passe des nuits blanches. Je te dis, hein. Ah ouais, on se débrouille. On passe des nuits blanches. Aujourd'hui, pour faire un clip ici, il faut minimum, un bon clip, il faut minimum au moins 4 millions. Oui. Tu rentabilises ça comment? Si on t'appelle pour une boîte de nuit, on veut te donner 300 000, même 200 000. Ah, tu dis 300 000. Il y a des boîtes de nuit qui veulent te donner 100 000, même 100 000. Comment tu rentabilises ça? Quand tu veux parler, non, tu es mon gars, tout ça. Ouais. Pourquoi ça cesse? Tu ne peux pas rentabiliser. Arrivé un moment, il faut que ça cesse. Ah, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Si tu n'as pas de courage, tu ne peux pas arriver un moment, tu vas laisser. Parce que tu ne peux pas te dire, tu vas mettre, je prends un exemple, 2 millions dans un clip. Mais ta maison, à la fin du mois, là, tu payes ça comment? C'est sûr. Et puis pour certains d'entre nous, on a des enfants, on a des familles, tout ça. Ben voilà. Si tu as 500 000 sur toi, tu te dis, c'est ça. 500 000, si il a donné ça, comment avance au gars qui fait le clip? Ben voilà. Comment il paye le sac de riz? Et si la facture vient, comment je gère? Ah, c'est ça. Donc ça fait que tu mets même ta musique en stand-by à rien. Moi, je pense qu'il faut aider, faut aider. Si on peut même, l'État peut voter un budget pour pouvoir aider les talents. Ouais, ça serait vraiment bien aussi. Je pense que ça fait beaucoup évoluer la musique africaine, parce que si c'est le talent en Côte d'Ivoire ici, là, il y en a. Hein. En fait, l'échiquier musical ne reflète pas les talents qu'il y a dans le pays. C'est ça. Alors, Mix, ouais. Parlons un peu d'une page un peu sombre de notre. De la musique ivoirienne. Voilà, il y a quelqu'un que nous avons tous connu, déjà depuis longtemps, hein, depuis avant même qu'on ne soit des chanteurs et tout ce qu'on veut, voilà, qui aujourd'hui nous a quittés, qui est DJ Arafat. Voilà, en tout cas, nous on ne te voyait pas vraiment te balader. C'est vrai que tu n'étais pas un ami intime d'Arafat. Quand je dis intime,
Ce n'était pas celui avec qui il faisait ses 400 coups, on ne vous voyait pas tout ensemble. Mais on a constaté qu'il y avait une certaine affinité, un certain profond respect mutuel entre toi et lui. Jusqu'au point où même tu allais le soutenir, même à son dernier concert avant qu'il décède et tout. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les liens, réellement les liens que tu avais avec DJ Arafat? Oh, comme tu l'as dit, là, c'est vrai qu'on ne nous voyait pas tout le temps ensemble, mais on s'appelait. Parce que toi par exemple, toi, Ramzi, tu peux connaître quand même le fond de la chose. Ça fait des années, c'est pas aujourd'hui, ouais, ça fait des années, on se retrouvait, les DJ de Yopougon se retrouvaient à Makori, les lundis, les mardis, les DJ de Makori se retrouvaient à Yopougon. C'est un peu à partir de là qu'est née cette amitié-là, sincère, je vais dire. Et depuis ce temps, on ne s'est plus lâché, tu vois. On ne se voyait pas tout le temps, mais c'est quelqu'un avec qui je parlais régulièrement. D'accord. On s'appelait. Quand j'ai un son à sortir, je peux lui envoyer l'écoute. Lui aussi, quand il veut sortir un son, il m'envoie, il dit, écoute, donne-moi ton avis. Et puis on se parlait, ça restait entre nous. Après, dehors, il y a la stamania de tout un chacun que chacun fait par rapport à ce qu'il fait. Mais derrière, il y a un gros respect qui est resté. Je n'ai pas fait un concert où Arafat n'est pas venu me soutenir. Tous mes concerts, Arafat, il était. Et vice-versa, tous ces concerts aussi, j'y étais là. Et je me dis, c'est ça. C'est ça, une vraie amitié. Se donner des conseils. Quand il entend quelque chose, il m'appelle, il me dit, comme ça. Souvent même, il m'appelait, mais puis il me grouillait. Mais Joe, tu as sorti telle chanson, vous faites la promo. Voilà. Je me rappelle même quand je sortais ma chanson Twek. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, envoie-moi la chanson, je vais l'écouter. Je lui ai envoyé l'écouter. Il dit, très bon. Mais le problème, c'est que tu dois faire beaucoup de promos. Faut courir. J'ai ça ici même. Ça note. Il dit, faut courir, courir le son. Paye qu'on arrive bientôt. Et puis on a commencé à rigoler, tu vois. Voilà. C'est quelqu'un que j'ai aimé et que j'aime, je continuerai d'aimer toujours. Je le porte là dans mon cœur. Voilà. C'est une phase très difficile. Tu as été très affecté. Très. Alors, surtout que je l'ai eu. On était tous les deux, on ne savait même pas comment on allait se parler. Comment on était dépassé. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui là, voilà. D'aucuns disent que oui. Bon, moi je fais toujours ce palabre là. C'est vrai que moi je suis un membre du coupé décalé. Ouais. Et ben, c'est vrai que je ne chante plus le coupé décalé. Il y a sous tes conseils déjà d'abord pour commencer. Voilà, parce que c'est toi qui m'as pris devant une boîte de nuit. Toi, le salaud là. tu fais ci, fais ça et tout ça. Bon, bref. Mais je reste quand même un membre du coupé décalé, quelqu'un voilà, qui est toujours dans ce mouvement. Et je fais toujours le palabre avec certaines personnes qui disent non, depuis qu'Arafat est décédé, le coupé décalé est mort, les artistes coupés décalés sont plus inspirés et tout ça. Et c'est que toi, tu as certainement dû voir ça beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Quel est ton point de vue là-dessus? Moi, je pense que le coupé décalé n'est pas mort. Et le coupé décalé ne pourra pas mourir. Le coupé décalé a pris un gros coup parce qu'il a perdu une grosse tête. Voilà, il a perdu une grosse tête. Il ne faudrait pas que les gens s'attendent du jour au lendemain que tout redevienne comme avant, ou plus qu'avant. Il faut du temps. Il faut du temps à ces personnes-là de pouvoir digérer ça, même s'ils ne vont pas l'oublier. Mais tu ne vas pas me dire qu'à la mort de Doug Saga le lendemain, ou bien deux mois, trois mois, en même temps, tout a décollé. Non, ouais, ça a été il faut du temps à la fois. C'est une grosse tête du coupé décalé. Attends, même les mélomanes même qui parlent, eux-mêmes déjà, moralement, c'est difficile pour eux d'entendre le coupé décalé sans DJ Arafat. Donc déjà mentalement pour eux le coupé décalé est déjà mort dans la tête. Tu vois, c'est pourquoi ils disent ça. Mais avec le temps, ça va venir. Arafat a inspiré des milliers de jeunes qui arrivent. Voilà. Arafat musicalement était concurrent de plusieurs artistes. C'est pas une guerre en tant que telle, mais musicalement, si on arrive à comparer, je prends un exemple bête, Arafat et Serge Benoît. C'est parce que Benoît quand même a un potentiel. Donc je pense que même si Arafat n'est pas là aujourd'hui, Benoît peut tenir. Desbordeaux peut tenir. Mix peut tenir. Voilà. Arafat n'est plus. Mais ça ne veut pas dire que le coupé décalé va mourir. Et on va se battre tous pour ça. Ouais. Parce que lui-même, s'il voit de là où il est que le coupé décalé n'existe pas, il va avoir mal au cœur. Ça ne peut pas mourir. Non. Non. Il y a encore des milliers de talents qui arrivent. Oui, encore. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Même ces milliers de talents, ceux-mêmes qui sont là sont hyper inspirés, peuvent sortir encore des sons graves. Donc, je ne vois pas pourquoi à chaque fois les gens ramènent ça sur le tapis, en fait. Coupé décalé, c'est là. Il y a des piliers, des arrangeurs, des piliers. Il y a Bébé Philippe qui est toujours là, qui a encore du truc. Il y a Champy qui est là. Il y a Elvis Hugo qui est là. Il y a tous les gars sont là. Attends. Mais laissez le temps aux gens de digérer ça. C'est pas facile.
Tu peux pas te lever un matin comme ça, tu as perdu ton ami et puis trouver l'inspiration. Non. Sinon, maintenir ce mouvement-là, c'est rien. Ouais, ça peut se faire. Tout le monde est là. Tous les gars sont là. Il y a le potentiel pour le faire. Tout le monde est là. D'accord. Mais il faudrait que les gens. Il faut que les gens réalisent que. Parce que, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que Arafat, là, tout ce que vous voyez dans le coupé décalé, là, Arafat a déjà vécu peut-être une situation personnelle avec cette personne. Ouais. Moi, je me souviens un jour, Arafat et moi, on est allé à Makuri. On allait te voir à Makuri il y a longtemps. Il venait d'être rapatrié de France et tout ça. L'état, on était ensemble au Shanghai. On est allé à Makuri, on allait voir Mix et tout ça. Et le matin, vers 6h du matin, on a commencé à causer. Arafat a commencé à m'attacher même. Ouais. On a se moquer de moi et tout ça. Mais tout ça, c'est des choses qui nous ont unis. Donc, les gens du coupé décalé sont affectés parce que ce gars-là, c'était plus que même c'était plus que la musique qui le liait aux gens en fait. Ah ouais. Il y a des vieux permis de boîte de nuit par exemple, des anciens de boîte de nuit qui ont aimé ce gars, qui ont tourné avec lui. Je sais pas, il y a beaucoup de choses. Un Angelo Kabila qui est Zougloumen qui a organisé un concert d'Arafat au Togo, mais je sais pas au Burkina. Bon, tout ça, ça agit sur tout le monde en fait. Donc il faut que les gens essaient de se calmer pour attendre que les choses, comme DJ Mix a dit, que les choses aillent un peu. Voilà. C'est dans la tête même que ça se passe. Déjà imaginez. Le coupé décalé en Côte d'Ivoire sans Didier Arafat, mentalement ça tape. Tous les Chinois disent, parce que c'est en même temps le sujet d'Arafat, hein, tous les Chinois disent que le dernier gars qui était sur la photo WhatsApp de Daichi, c'était toi. Tu es le seul artiste coupé décalé, sinon la seule grosse tête coupé décalé qui allait le soutenir à son dernier concert. Donc le Daichi, il t'avait en cœur et en pensée lorsqu'il mourait. Donc eux là, et puis se tuer à cause de toi. Donc organise un concert aussi. Maintenant, le conseil a lieu, d'aucuns disent que c'est parce que les Chinois t'ont dit des faits que tu as fait. Bon, ça, on ne rentre pas dans ça parce que moi, qui suis dans le milieu, je sais qu'on ne se lève pas un matin comme ça. Je parle de l'habitude, je fais un conseil. Non, c'est les mois à l'avance. Ouais. Tu vois. Bon, bref. Maintenant, Debodo arrive à ton conseil. Toi, tu dis à ton public du milieu de Bodo. Ça veut dire que tu as préparé ton public à le rendre plat parce que lui, il est en premier Daichi. Toi, tu es le gars de Daichi. Et voilà ce que tu as créé. Maintenant, Debodo dit on n'a qu'à le tuer. On ne comprend pas. Faut nous expliquer. Ouais, c'est ce qui s'est dit dans la ville. Que Mix a piégé Debodo. Debodo les confait. En réalité, on dit Mix a piégé. Donc, si tu viens à Abidjan, il faut bien lui poser la question. Mais tu peux même l'appeler sur WhatsApp. On veut savoir aujourd'hui à Fafa. Oh, écoute. Moi, je pense que. On va mettre ça sur le compte du passé. C'est des choses qui arrivent. Tu as fait quelque chose maintenant, tu mets sur le passé. Toute la Côte d'Ivoire sait que j'ai rien fait. Parce que c'est un événement qui était en direct. Je pense que tout le monde a vu. Même toi-même qui parles. Mm-hmm. Tu parles parce qu'il faut que tu parles. Sinon, en réalité, tu sais tout ce qui s'est passé. Voilà. Mais je pense que c'est des choses qui arrivent, c'est arrivé. On passe à autre chose. De Bordeaux, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je le connais aussi, comme Didier Arafat, c'est pas aujourd'hui, il y a très 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 longtemps. Voilà, c'est des choses qui sont arrivées, mettons ça sur le... Ça a été en 2019, on est en 2020, passons à autre chose, c'est le plus important. Il faut laisser les vilaines choses dans la première. Voilà, passons à autre chose. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que... Mix a sorti... En même temps, mieux. Un album. Pas le dernier, va oublier. Un album qui s'appelle Empire, Inside Me, ça parle de moi, un album de 22 titres. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Ah. Okay, parlons de l'album, ouais. on va y revenir tout à l'heure, mais pour l'instant, on va regarder Twerk, le mix premier, let's go. La famille, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes de retour après cette très belle plage musicale Twerk, voilà, de DJ Mix Premier, toujours. Alors Mix, parlons de l'album. Cet album-là, on sent qu'il y a beaucoup de maturité dans l'album et que ça a été vraiment concocté depuis longtemps. Ouais. J'ai mis 2 ans à préparer ça. J'ai pris le temps qu'il fallait, je n'étais pas pressé. Moi, je me souviens que tu avais annoncé une date de sortie et finalement, tu avais 19 septembre passé, en fait. Mais véritablement, je n'étais pas prêt, donc je l'ai porté. D'accord. J'ai attendu d'être prêt et puis voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des collaborations sur... Est-ce que tu as fait des featuring sur certains titres de l'album? Ouais. J'ai fait un feat avec José. Il y a Ariel Chéné, il y a le groupe Révolution. Alors Mix, aujourd'hui, quel conseil tu as envie de donner à ces jeunes gens là, à ces jeunes gens là qui t'aiment, qui vraiment rêvent d'être comme toi, quand ils te voient, ah Mix, vraiment,
Moi, j'ai vu certains des spectacles où il y a des jeunes gens qui ont coulé les larmes, qui ont pleuré, parce que pour l'amour même que Mix, pour l'effet que Mix leur fait. Mm-hmm. Et il y a certains parmi eux qui veulent vraiment embrasser la carrière musicale, mm-hmm. qui ont envie de faire comme toi. Voilà. Mm-hmm. Quel conseil tu peux donner à ces jeunes gens? Ben, personnellement, le conseil que je peux donner à ces jeunes frères-là, c'est tout d'abord de mettre du sérieux dans ce qu'ils aiment. Parce que c'est vrai que tu veux être chanteur, mais d'abord même, il faut aimer la chanson, tu vois. Et au-delà de ça, il faut mettre, il faut mettre beaucoup de sérieux dans ce que tu vas faire. Tu n'es pas obligé, c'est un exemple bête que je donne, de passer par le buzz, de te faire voir négativement. Quand tu remarques en fait. Voilà, pour avancer. Concentre-toi sur ton boulot. Il peut y avoir des moments difficiles où tu vas sortir des morceaux, ça ne va pas marcher. Mais ne baisse jamais les bras. Il faut aller à fond. Tu vas voir. Un matin, tu vas te lever, puis tu es assis comme ça. Et tu regardes. Tu vois que tu as eu un parcours. Quand ça ne marche pas là, dis-toi que c'est normal. Dieu ne peut jamais mettre quelque chose, une épreuve qui sait que tu ne peux pas surmonter. Ouais. C'est impossible. Quand il vient, quand ça vient là, il faut savoir que ça vient parce que tu peux. Et il faut aller à fond. C'est le seul conseil que je peux donner. Le showbiz, il y a le show et il y a le business. Il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce que tu es un artiste que tu dois te retrouver dans les boîtes de nuit, chaque nuit en train de boire ou en train de fumer. Non. Un artiste doit créer le mythe autour de lui. Un artiste doit se faire respecter. Un artiste doit avoir une carrure. Un artiste doit toujours être propre. Tu dois donner envie aux gens. On est ensemble. Portez-vous bien. Au commencement, c'est doux comme du miel. Mais à un moment, ça brûle comme piment. Quel que soit ton rang social, l'amour ne badine pas haut. Quand tu es faim, tu deviens un enfant. 1, 2, 3 bisous. Hey, chérie, je t'aime. Photos sur Facebook, Instagram, Snapchat. Au bout d'un moment, B se sent délaissé. Oh. Plus de messages, plus d'appels comme avant. L'amour, c'est comme une plante. Il faut toujours l'arroser. La femme a besoin d'amour. Il faut toujours la chérir. Même si c'est chaud dans ton foyer. Faut jamais vous exposer. Le linge sale se lave en famille. On est ensemble. Yeah! C'était le mix premier dans l'émission Fafa avec votre humble serviteur Ramzy le Daéré. Yeah. Alors la famille, on est ensemble de toute façon. Voilà, j'aimerais aussi dire merci à toutes ces personnes qui soutiennent Evoque TV Musique, le canal 209 du Bouquet Canassat Africa. Rendez-vous sur la page officielle de l'émission Fafa officiel. Rendez-vous sur mon Instagram Ramzy le Daéré. Et on est ensemble, on va papoter ensemble, proposer-nous des suggestions et tout. Et les choses vont avancer ensemble. Que Dieu vous garde. Vous avez Soko Soko, William Santiago derrière la caméra. Vous avez à la post-production celui qu'on appelle ESM. Vous avez Aboubaka Yoko à la programmation. Roland Le Bengis est le réalisateur de cette émission. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. Ciao, c'était le dernier Mix Premier. Yeah.